outings on the beach. Oh, who know, yeah, must hear. Yeah. Say Ricardo on this one, yeah. When me you de, when just no de to mix my gin, oh, oh. When me you de, when girls no grito, dance my disco, oh. When me you de, when nepa no grito, shine the light.
voir. Je vais lisser de l'autre côté et je mettrai aussi toutes les informations de cette lessuie en barre d'infos aussi. Donc franchement, je les ai lavées et elles sont top top top. C'est censé être lisse, hein, mais voilà, on sait toujours que quand on lave, etc., ça reprend une forme légèrement ondulée, comme vous pouvez le voir ici. Et moi, je recherche quelque chose de très lisse aujourd'hui, donc c'est ce que je vais faire. Si vous êtes toujours à la recherche, les filles, je vous conseille celui-ci. Je vous conseille fortement celui-ci. Si jamais vous ne le trouvez pas en magasin, essayez de l'avoir en ligne ou quelque chose comme ça. J'essaierai de trouver un lien pour vous. Donc, on en met bien au niveau des pointes. Et on remonte ça jusqu'aux racines. Je dis racines ou filets. Alors, si vous vous posez aussi la question, mon fer vient de chez Remington. Je l'aime beaucoup. Dites-vous que moi, j'ai eu l'occasion de tester énormément, mais énormément de lisseurs. Et personnellement, moi, je trouve que celui-ci, c'est le meilleur, en tout cas. J'en suis sûre qu'il y en a aussi avec un prix beaucoup plus élevé. J'en suis sûre qu'il y a meilleur que ça, qu'il y a des beaucoup plus professionnels, etc. Mais personnellement, moi, ça me suffit. Et j'aime beaucoup parce que les plaques sont assez larges. Donc, c'est top. Vraiment, voilà, vous lissez les cheveux super vite avec ça. Et ensuite, si vous voulez quelque chose de super, mais super raide et bien, bien lissé, prenez un peigne beaucoup plus fin que celui-ci, hein, bien sûr. Et comme vous le remarquez, je ne passe pas vraiment le fer à ce niveau-là. Je le ferai par après pour vraiment rendre en fait cet effet naturel à la wig. On veut pas cet effet wiggy wiggy, ok? We don't like that. No, we want to be popping, ok? Popping. Et les filles, j'ai fait aussi une vidéo pour vous où je montre comment rendre cet aspect naturel à sa wig, etc. Si ça vous intéresse, franchement, dites-le moi et je posterai ça. Mais il faut quand même un bon nombre de personnes, ok? Allez, j'ai pas envie de faire ça, mais c'est juste pour aller estimer un peu, juste pour savoir si ça vous intéresse vraiment, en fait. Donc, si cette vidéo chope 250 likes, ouais, on va dire ça, si ça chope 250 likes, eh bien, je poste la vidéo, ok? C'est pas pour vous dire de liker, c'est juste pour savoir si vous êtes intéressé ou pas, ok? Voilà, je pense que vous savez déjà, hein, que voilà... il suffit de passer le fer et d'essayer d'aplatir et machin. Mais moi, ce que je vous dis, en fait, par rendre le naturel à sa wig, c'est ce qui est avant tout ça, en fait. Donc, épiler, colorer, etc., machin. C'est de ça que je parle, ok? Alors, vous allez bien sûr repasser du protecteur de chaleur à ce niveau-là. Et déjà là, en fait, essayer d'aplatir un maximum. Regardez déjà comment ça rend... la chose un peu plus naturelle, ok? Et bien sûr, vous allez passer votre fer à ce niveau-là. Il faut qu'il soit vraiment super chaud, hein? Mais mon fer n'est pas très chaud en ce moment, mais ça va, il va chauffer super vite. Si vous voulez mettre de la mousse, c'est encore génial. Si vous voyez que la Wiggy Wagga attitude, là, ne veut pas descendre, prenez de la mousse, mais une toute petite quantité, ok? Vous ne voulez pas rendre votre lace wig grasse ou... ok, on n'aime pas, ça en veut... sucré, ok. Moi, j'aime pas prendre le headscarf, donc un petit foulard et attaché, etc. Pourquoi? Parce que je sais pas, après ça laisse cette ligne et on peut repasser le fer, mais des fois c'est pas aussi lisse qu'on le voudrait. Enfin voilà, je vais vous montrer comment je fais moi. Vous faites en sorte que ce soit super super chaud et ensuite directement je mets mes mains comme ça et j'attends que ça refroidisse. Quelle vie. Pour donner cet aspect classe, moi je trouve en tout cas, j'aime mettre mes cheveux en arrière. Je trouve que c'est plus joli, que ça complimente mieux mon visage, etc. Vous changez de vibe. I don't have time for... Ça s'appelle la coiffure. I don't have time for you. Ok? Regarde. Oh mon Dieu, je crains. Voilà, regardez ça. Je trouve que voilà, comme le look est sombre, avec ça, ça donne un peu, je sais pas, ça fait chic, bohémien, mais en même temps foncé, et en même temps charismatique, et en même temps... Ok. Et voilà, vous prenez votre petite pochette ou quoi, et vous montrez aux gens que vous n'êtes pas venu sur Terre pour rien, ok? Je vais vous montrer ma tenue, bien sûr. Toutes les infos seront en barre d'infos, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Il y a moyen de parler avec ses mains comme ça. Watch me. What you gonna do like that? Why you gonna keep that thing from me? Why you gonna do like that? Why you gonna act like you don't know? Baby, don't do like that.
Girl, come feed me, don't be stingy. Cause you don't do like that. No, baby, don't do like that. Oh, I want you to know. See, I like the way you jump. I know, sabi, do the dance. For you, this sweet like everything. Go, 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 baby, you know. Say, you carry no be small. Say, be told me, man, she shake it, just control. Girl, I like the way you just lean to me. Bella Mundi, like the way you. If you don't give another take on, no kissing it, no touching it, no kissing it, and no call me babe. No kissing. Yeah, I'm coming to cause trouble. You don't like me, I'm fellow.